J'ai déjà joué un majeur du contact amateur, donc là c'est mon premier majeur en tant que pro, donc ça rajoute encore un petit stress en plus, mais c'est que du stress positif, c'est trop bien, c'est de l'expérience à prendre, et en plus sur un parcours en France que je connais depuis que je suis petite, c'est vraiment trop bien. Oui, clairement. Déjà, les greens sont vachement plus durs, je trouve, ils roulent beaucoup plus, ils sont plus fermes, et on les attaque avec des clubs plus longs, vu que le parcours est plus long, du coup. Et en plus, les fairways sont assez soft, donc les balles roulent pas trop. Donc on se retrouve à avoir des longues cannes pour attaquer les drapeaux, et avec des positions tendues, bah forcément pour un majeur. Donc le parcours est plus compliqué, mais je pense que c'est toujours un avantage de bien le connaître. Bah déjà, je pense que n'importe quelle joueuse s'aligne pas sur le tournoi sans forcément vouloir bien performer, et même ne serait-ce que le gagner, même si là, c'est encore beaucoup trop tôt. Mais je pense que essayer de donner le meilleur de moi-même, garder une bonne attitude chaque fois, essayer de m'engager à 100% dans mes coups. Et je pense que si j'arrive à faire tout bien, j'ai bien préparé, j'ai fait des super recos, je suis arrivée assez tôt en plus pour bien m'adapter au green, au parcours, etc. Donc je pense que le plus important, ça va être de garder ma ligne conductrice et de faire le mieux possible, et on verra bien. Passer le code serait top.